1, 2, 3, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma petite collection de livres et BD Ninjago. Alors, c'est parti. Alors, nous allons commencer par celui-là. C'est Lego Ninjago, l'île du mystère. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme un livre. Vous voyez, il y a des images aussi. Voilà, très, très agréable à lire. Comme petit livre, vous pouvez le retrouver sur une grande surface, Coral, Leclerc, etc. Voilà. Et il est vendu au prix de 5,99€. Oui, 5,99€. Et voilà, lieu du mystère. Après, nous avons Lego Ninjago, Aventure Ninja. Et c'est histoire et BD, livre d'activité. Alors, comme c'est dit, là on va plus le retrouver en BD. C'est vraiment une BD et BD. Vous voyez ? Parce qu'on porte exactement comme une BD. Après, ils disent qu'il y a des jeux. Alors, les petits jeux, voilà, c'est là. Je crois que c'est un petit labyrinthe. Voilà, des petits labyrinthes, pas mal de petits jeux. Voilà. BD, BD, des petits jeux encore. Donc voilà. Et celui-là, il est vendu aussi au prix de 5,99€. Pareil, on peut le retrouver en grande surface. Après, on a Lego Ninjago Lego Ninjago Maître du Feu. Celui-là est vendu au prix de 4,99€. Et celui-là, il est en forme de livre. Voilà. Avec des images, pareil. Alors celui-là, il n'a pas de jeu par contre. Voilà. Maître du jeu. Après, pour le dernier, nous avons le Lego Ninjago L'île inexplorée. Voilà. Celui-là, il se présente aussi en livre. Vous voyez. Je trouve que c'est une écriture très agréable à lire. Après, ça, c'est moi, hein, ça c'est... Peut-être si vous ne l'aimez pas, hein, mais bon, moi en tout cas j'aime bien. Il n'a pas de jeu non plus là-dedans. Il est rendu au prix de 5,99€. Voilà. Hop. Voilà mes 4 petits livres et BD Ninjago. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, ciao. Bye.